Romain, 10e de l'étape, 8e au général, pierre chasse de gagner, le bilan est quand même positif. Ouais, mais je fais pas des calculs comme ça. Je suis content de m'être senti mieux sur le vélo aujourd'hui et d'avoir pu être acteur dans le Tourmalet derrière les deux meilleurs. Je connaissais pas vraiment la montée finale, donc j'aurais dû la gérer un peu différemment, mais c'est une journée positive après les sensations mitigées d'hier. Justement, les sensations sont ensemble d'être derrière, en fait, vous montrez progressivement en puissance, vous montrez aujourd'hui. Oui, j'espère, le tour est long. Il y a déjà de gros écarts, énormément de fatigue, et on a fait que 6 jours de course, donc ça va être un tour, il faudra être, je pense, super endurant et résistant, et en tout cas, pour l'instant, ça va dans le bon sens pour moi. Romain, c'est rassurant ce genre d'étape, surtout qu'on arrive bientôt sur proche de tes terres, non? Oui, mais je prends au jour le jour et voilà. Mais c'est clair que j'ai hâte d'être à dimanche, ça sera une grosse première semaine de tour. Et la cerise sur le gâteau dimanche, ce serait d'être encore mieux qu'aujourd'hui et d'être vraiment acteur. 10e tour de France, Romain Bardet, c'est en mode diesel, monté en puissance? Non, j'espère, c'est vrai que je me sens souvent sur les premiers gros efforts, j'ai un peu de mal, mais il n'y a pas de raison que ça se mette pas. J'ai eu la préparation que je voulais, donc maintenant, faut juste s'accrocher et espérer que les sensations viennent bien. Tu dois résumer en un mot la journée de dimanche, le Puy-de-Dôme, un seul mot, un adjectif. Un adjectif en un mot pour caractériser ma journée ou l'arrivée du Tour au Puy-de-Dôme? Comment ne pas être, je sais pas, iconique, inédit, majestueux. Ça serait bien de la gagner. Ouais. Faut être réaliste, ça va être difficile.